Nous sommes Trottis, Trottis. Trottis, Trottis, Pinky Promesse. Magnifique. Je savais que tu aimerais, Sophie. Ça doit être mamie. Maman m'a dit qu'elle viendrait aujourd'hui. À plus tard, les filles. Vous êtes trop belles. Oups, je sais pas. Je pense que je devrais porter des lunettes comme toi, Lucie. Je vois rien. Prends-les si tu veux, mais je ne pense pas que ça résoudra le problème. Ah. La carte magique! Oh, il se passe quoi à Paris? Alors, laissez-moi vous dire, de ce que je peux voir, il y a un problème avec un musée. Ce musée est à Paris et s'appelle... Lucie, on sait que tu sais tout, mais Paris, c'est ma ville. Ce musée s'appelle le Louvre et il est à Paris, très proche d'un grand fleuve appelé la Seine. Oh, quelle fille sérieuse! Je n'en crois pas mes yeux! C'est l'une des peintures les plus importantes au monde, la Mona Lisa! Mais... Elle n'a jamais été sérieuse, elle a perdu son sourire! On doit y aller pour l'aider! Ne t'inquiète pas, Sophie, allons-y maintenant! Partout et toujours, la Pinky Promesse nous guidera! C'est une grande tour. Oui, cette tour s'appelle E.O. Bien, vas-y, explique. Merci, Lucie. Oui, cette tour, c'est la tour Eiffel. Et tu peux la voir de n'importe quel point de Paris. Et donc, on peut voir le Louvre d'où on est, non? Oui, il est là, pas loin d'ici. Allons-y, on peut prendre le bateau pour descendre la Seine. Elle a l'air encore plus sérieuse. Respect, s'il te plaît. Tu te tiens devant Mona Lisa, une peinture de Léonard de Vinci. Et elle n'a jamais été aussi sérieuse. D'habitude, elle sourit. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Mona Lisa? Sono stanca di essere qui per così tanti anni. 500 anni. Voglio un po' di distrazione. Elle dit qu'elle s'ennuie. Elle a passé plus de 500 ans assise ici et veut pouvoir s'amuser. Juste un petit peu. Compris. Il y a ici à Paris l'un des plus merveilleux parcs d'attractions du monde. Je crois qu'elle va adorer. Ça semble être une bonne idée. Mais comment aller dans ce parc d'attractions avec une peinture? Les filles, la peinture reste. Mona Lisa, elle, vient avec nous. Bienvenue, Mona Lisa. Maintenant que tout le monde est là, allons au parc d'attractions. Regardez les filles, on l'a fait. La Mona Lisa s'amuse tellement qu'elle sourit à nouveau. Yeah! Oh, les filles, je suis désolée, mais nous allons devoir rentrer. Emily sera de retour bientôt dans sa chambre. Oh! Super, c'est tout bon. La Mona Lisa est dans sa peinture et son sourire est de retour. Tout est rentré dans l'ordre. Allons-y. Maintenant, il faut dormir. Demain sera une grosse journée. Mamie m'a promis qu'on irait au parc d'attractions. J'espère que je pourrai vous emmener. Nous sommes Mia, Emma, Lucie, Sophie. Et ensemble, nous voyageons dans le monde entier. Nous sommes Trottis, Trottis. Trottis, Trottis, Pinky Promesse. On va faire du shopping, les filles. Vous sentez cette odeur de tarte? Tarte aux pommes. Trop bon.
Les filles, je pense que le shopping devra attendre. Je vais prendre le goûter. À plus tard. La carte magique! Il se passe quelque chose à New York. C'est la statue de la liberté. Qu'est-ce qu'elle est grande et belle, cette statue, avec sa couronne et tout. Oui, c'est l'une des statues les plus connues au monde. Et c'est très très bizarre que la torche soit éteinte. Qu'est-ce qui a pu se passer? On le saura seulement quand on y sera. J'ai tellement hâte de retourner à New York. Partout et toujours, la Pinky Promesse nous guidera. Welcome à New York. Oh, magnifique, j'adore. Wow. Écoutez les amis, cette grande rue s'appelle Lucie. Ok, je te laisse faire, Emma. Merci, Lucie. Oui, cette grande rue s'appelle la 5e avenue. C'est la rue la plus branchée de la ville. Il y a des buildings. Ils sont tellement grands qu'on dirait qu'ils touchent le ciel. Et ici, l'une des plus belles places du monde, Times Square. Ah! Oh! J'y crois pas. C'est arrivé parce que la torche de la statue de la liberté est éteinte. On doit savoir comment c'est arrivé le plus rapidement possible. Mais où doit-on chercher? J'ai trouvé. On doit chercher la luciole magique. Les lucioles vivent dans les plantes? Y a-t-il un parc pas loin? Bien sûr qu'il y a un parc. Et pas n'importe lequel. Allons à Central Park. Tous ces arbres! Toutes ces fleurs! C'est magnifique! La voilà. Quel est le problème, Luciole magique? Pourquoi n'as-tu pas allumé la torche de la statue de la liberté? La pauvre! Sa patte est bloquée dans du chewing-gum. Elle peut pas bouger. Mais c'est vraiment trop dégoûtant, jeter son chewing-gum et ses déchets dans un parc. C'est à ça que servent les poubelles. Allons, petite chose, je vais t'aider. Trouvé. Parfois, la nature a sa solution. Il faut trouver 3 trèfles et récolter leur huile magique. Mais ça peut prendre du temps. Il faut être patient. Oh! Merci, Emma. Tout est plus facile avec toi. Statue de la liberté. Viens, Luciole, on va t'emmener là-bas. T'as une mission à accomplir. Parfait, tout est réglé. Et maintenant, est-ce qu'on peut aller faire du shopping? Allez, allez. À vrai dire, on a encore du temps. On peut donc y aller. J'adore l'idée. Allons-y. Yeah! C'est l'heure d'aller au dodo, jolie poupée. Demain, on jouera encore plus.